otages qui sont projetés par ces grenades tirées d'une façon non réglementaire peuvent provoquer la mort par septicémie. Je viens de voir l'impressionnant dispositif de médias et de forces de l'ordre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre de gendarmes mobilisés est passé à la centaine. Attention, 10 secondes. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Les relèves des gendarmes s'organisent ici avec une présence 24 heures sur 24 depuis plusieurs jours. Maintenant, on voit ici un va-et-vient de véhicules des forces de l'ordre. Ces contrôles, eh bien, ils ont pu, dans la journée, en fait, arrêter deux personnes qui allaient soi-disant fêter l'anniversaire d'un ami. Le seul problème, c'est que ces deux personnes avaient des machettes et des masques à gaz. En fait, ce matin, on a d'abord rencontré des habitants qui nous ont dit « C'est enfin la fin de cette fin du monde, on va enfin nous laisser tranquilles ». Georges Fenech, le président de la mission parlementaire de lutte et de surveillance contre les mouvements sectaires, viendra à Bugarache pour rappeler qu'il faut prendre aussi certaines choses, certaines exploitations au sérieux. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, je suis le préfet de l'Aude, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis avec Jean-Pierre Delors, le maire de Bugarache, le maire de ce petit village. Vous savez tous que nous sommes ici grâce aux Mayas. Bien d'une bonne blague de monsieur le maire. C'est plus compliqué que ça, parce que je pense que s'il suffisait qu'un maire d'une commune de 200 habitants fasse une blague pour qu'elle soit reprise par tous les médias internationaux, davantage de maires feraient leur publicité. Mais voilà, il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est faite autour de cette déclaration de monsieur le maire. Est-ce que monsieur le maire ne regrette pas d'avoir tenu ses propos éventuellement? Est-ce qu'il peut s'exprimer Madame. Ça va, Pierre. Ça va, monsieur. Eh bien, on le fait aller, ça va. Ça va. Bon, il faut voter ou quoi? Mais tu fais ce que tu veux. Ah, moi, ça me fait. Attends que je me prenne. Il ne faut pas faire des bêtises pendant le moment. On va se... à voter. Voilà une personne que je sais pas qui c'est, je la connais pas. Je me demande, c'est la première fois que je la vois. Bonjour, jeune homme. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, allez. Allez. Pas le vieux. Allez. Moi, je suis jeune. François Hollande. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Teresa. Voici le résultat des élections présidentielles 2012 à Bugarache. Inscrit 201. Votants 168. Ont obtenu François Hollande 118 voix. Nicolas Sarkozy, 44 voix. la magie, c'est un art. Il faut que tu fasses voir qu'on ne voit rien. Ah là, ça c'est bravo, bravo. C'est ça que bravo. Bien petit, bien. Et ça c'est du bon boulot. Ça marche. Ouais. Bon, ben. Ah, vas-y. Ouais, ouais, oui. Ouais, ah bravo. Parce que là, j'ai rien vu, hein. J'ai pas vu le tour que tu as fait là. Oui, maintenant. Ouais, bravo, oui, c'est merci. Ah, fait, voilà. Bravo, merci. Super. Après, faut tout ramasser du coup. Hein. Ouais, mais attends, ouais. Tu vas voir, hein. Je pose la caméra. Oui. Allez. Non, mais c'est celle-là ou pas? Ah non, c'est celle-là, là, celle-là, là, celle-là. Celle-là alors? Oui, oui, c'est celle-là. C'est celle-là, ouais, non, mais c'est vrai? C'est vrai ou pas? Et là, nous allons commencer notre ascension dans le silence. Voilà, donc toujours dans votre respiration consciente, vous vous connectez aux énergies du Bugarache. Hein, vous savez qu'il existe dans l'invisible des êtres qui vivent hein, et que tous les lieux et tous les hauts lieux cosmotelluriques sont gardés par des gardiens. Voilà, juste marchez, ressentez les énergies et demandez à ce que le lieu voilà, vous raconte un petit peu son histoire. Énormément de cultures, templiers, cathares, esséniens. Le Bugarache était comme un temple, hein, une montagne initiatique, et il venait ici recevoir des initiations. C'est comme si ici, en fait, on avait un tube d'énergie qui relie le ciel avec le centre de la montagne. Hein, donc on dit que beaucoup disent et beaucoup voient qu'il y a un cristal, ou des cités en tout cas intraterrestres, au centre de la montagne. Et effectivement, c'est comme un canal. Les Esséniens, les druides, templiers, cathares, venaient ici se ressourcer. Effectivement, ressentir. December 21st, 2012, oh, at a place in Bugarache, in southwest France. This is going to be the place that will save you the apocalypse. Beautiful. And what you're seeing now is what they call the sacred mountain, le Pic de Bugarach. And it's believed that in this mountain, there are actually aliens, some believe, that are going to save you. Nous emmener dans ce petit village de l'Aude qui vit dans l'attente de la fin du monde prévue en décembre 2012. Alors, c'est Internet qui le dit alors. Oui, oui, bah, j'ai découvert en lisant un article dans Midi Libre quand même, puis un autre hier dans l'indépendant.com que le village de Bugarache, dans l'Aude, 190 habitants, 22 km au sud de Limoux, est au centre d'une incroyable légende. Oh, Bugarache devrait survivre à l'apocalypse mondiale programmée pour décembre 2012. Apparemment, ces nouvelles sont liées à la prédiction maya sur la fin du monde. Mais d'où sort cette nouvelle? Personne ici a su répondre à la question pourquoi ce village est le lieu choisi. La seule chose que nous avons découvert est que le pic de Bugarache, depuis la nuit des temps, a eu une attraction pour des gens des différentes croyances. Il y a des voix qui disent que cette nouvelle peut provoquer un effet d'appel. Pour vivre en bonne entente avec les gens du village. Hein. C'est vrai qu'ils trouvent qu'on est trop nombreux ici, mais eux sont trop nombreux partout aussi. Hein. Je suis chassé partout. Partout où je m'arrête, on me dit va-t'en, ailleurs. Alors je dis où? Ailleurs. Alors c'est où ailleurs? Il n'y a pas d'ailleurs sur Terre parce qu'il y a la guerre. Donc dès qu'on veut établir un territoire de paix, c'est très difficile. Alors si Bugarache, si tout ce cirque-là, on va dire, autour de Bugarache, ça peut servir à ce qu'il y ait un grand rassemblement des gens qui portent la paix en eux, au moins dans leur idéal, et bien bravo, parce qu'on va voir qu'on est très nombreux. Rendez-vous pour le 21, nous prenons notre destin. Selon les prédictions, cette paisible bourgade du sud de la France serait la seule à survivre à l'apocalypse du 21 décembre 2012. On dit même que la montagne de Bugarache abriterait une base souterraine. j'avoue. Arrête de jouer avec toute la batterie. Tout clair, c'est chiant. Mais papillon, attendez. Bah, excusez-moi. Oui. Et c'est quand même fois qu'on dormira en pleine forêt. Ça ressemble un peu à une catapulte quand même, hein? Ouais, contrairement à eux. Ouais, vous, vous ça fait une broche géante. Pour l'instant, Mirko, tu nous payes la glace, hein? Ouais, pour l'instant, Mirko, tu nous payes la glace, hein? Je retire mon pied, hein. Déjà. Vas-y, passe au maximum. Vas-y, lâche. Putain, Mirko, Mirko. 1, 2, 3. Tu remplis tout le lac de personnes avec même pas 10 cm d'espace où ils sont collés. T'en rentres. Si on enlève toute la vase, ils sont un milliard. Hein. Arrête. L'autre jour, je viens de te dire qu'il y a 5 fois le lac de personnes. Bah ouais. Ouais. Ça va être donc on va faire la queue pour se baigner. Mais même le village, il est pas assez grand. Arrête de parler anglais. Mais il met ton casque. C'était nouveau, hein? Oui. Vous voyez, ça y est toujours? Moi, il me semble que ça penche vers la droite. On va interdire l'accès du village aux étrangers, enfin aux étrangers, aux non-résidents, parce que c'est interdit. Il y a des gens qui s'engagent avec des énormes camping-cars. Il y a des gens à Rennes-les-Belles qui sont en plein délire. Oui, c'est du délire collectif. Il y a un film, raconte le troisième. Bonjour. Oh, hello. We are calling from Canada. Oui. Nous voulons savoir si vous avez un petit appartement pour notre groupe. Oui. Les Indiens ont pensé que les Incas ont prédit que votre village Trace and Trace on. D'accord. We'll call you. We are. Ouais, la marine Bugarache. Bon, j'ai vu que les planètes étaient en train de s'aligner là. J'aurais voulu savoir quand est-ce que le grand vaisseau était prévu, fini de construire là, pour qu'on puisse s'en aller avant le cataclysme là. Bon, allez, à bientôt. On va venir à plusieurs. Oui, bonjour, je vais vous déranger. Je vous appelle pour savoir s'il y a une batterie anti-atomique qui était créée à Bugarache pour la fin du monde. Je vous rappellerai demain. Merci. Dieu, notre Père, ne nous abandonne pas à la mort, mais il veut nous faire vivre éternellement auprès de lui, dans une éternité de paix, de joie, de bonheur, de fraternité partagée. Nous sommes loin quand nous évoquons ce salut, du prétendu sauvetage d'en haut de la montagne de Bugarache. Ce ne sont pas des soucoupes volantes qui viendront nous prendre, mais les anges de Dieu. L'espérance qui nous habite nous invite à regarder vers le Seigneur, à nous laisser éclairer par lui pour ne pas avoir peur de ce jour qui vient. Amen. C'est l'histoire d'un agriculteur qui a fait dimanche une assez étrange découverte, vous allez en juger vous-même. Il est tombé sur un crâne, puis il est tombé sur des ossements dispersés, ensuite sur un sac contenant 17 000 € en liquide, et enfin sur des documents concernant la fin du monde. Alors c'est vrai, on est à 40 km du fameux village de Bugarache, censé échapper à l'apocalypse en décembre prochain. C'était peut-être une piste. Bonjour Patrick Tégéraud. Bonjour. Vous avez la clé d'énigme? Pas tout à fait, mais presque. En tout cas, les enquêteurs commencent à avoir une idée plus précise du destin de la victime. D'abord, elle a pu être identifiée car dans le sac à dos, il y avait des papiers d'identité. Mais on sait aussi, d'après les livres et les écrits trouvés dans le sac à dos, que cet homme qui avait 57 ans voulait rejoindre Bugarache, ce minuscule village qui est planté au cœur d'une terre de légende. Alors pour de nombreux ésotéristes, ce village devrait être épargné par l'apocalypse prévue par les Mayas le 21 décembre 2012. Alors avec ces économies sur le dos, le malheureux a peut-être fait un malaise ou une mauvaise chute sur le chemin de ce qu'il avait été censé. Moi j'en ai pas la connaissance, ils viennent pas me la raconter à moi, hein. Et puis j'ai pas les moyens d'investigation. Ouais. Comme là, je sais pas si vous avez entendu parler, j'imagine les ossements qui ont été retrouvés il y a 3 jours à 40 km d'ici. Oui. En ce moment les journalistes le lient à Bugarache parce que la personne avait... Mais bon, il était dit que peut-être, alors je ne sais pas, moi je pareil, il cheminait vers le pic, mais bon, j'en sais rien. Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire de suicide collectif qu'il y aurait eu aux alentours, ou pourquoi? On a eu ce matin, j'ai eu au téléphone l'office, la mission interministérielle des luttes contre les dérives sectaires, m'a dit qu'ils étaient quand même vigilants sur cette zone, parce qu'il y avait un passif. Ils sont vigilants. Oui, voilà. Ça n'allait pas plus loin que ça. Mais... On les a interpellés pour qu'ils soient vigilants. ce lien entre les Mayas et Bugarache? C'est la question que tout le monde se pose et personne ne semble en connaître la réponse. Ce qui est certain est que les Mayas n'ont jamais été à Bugarache. Quelques-uns commencent à soupçonner que tout a été une blague qui est maintenant hors de contrôle. Bonjour Jean-Pierre, comment tu vas? T'es prêt, prêt pour l'interview? Ah ouais, je n'arrête pas. T'as réfléchi un peu? Ouais, là, c'est le micro, tu sais comment le mettre? Ouais, je vais me le mettre, ouais. Bon. C'est pas suppositoire, mais presque. Ça va, tout va bien? Bon. Impeccable? Ah ouais, impeccable. Bon, alors, tu t'installes là. Ah ouais, je me mets là. Oui, oui, tu t'installes là, pas de problème. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Allez. Tu ne regardes pas l'objectif, tu me regardes. OK? C'est prêt? Ouais. Tu penses qu'il va y avoir du monde? Alors attends, j'ai l'impression que les locations marchent bien quand même. Oui, les locations. Mon pendule. Attends. Pose la question, je vais te dire. Y aura-t-il du monde à Bugarache le 21 décembre? Oh putain. Ah oui, il va y avoir plein de monde. Ah, tu as la clé des champs? Oui, oui, la clé des champs. D'accord. Et au fait, la réunion en préfecture là, avec les gendarmes et tout pour la sécurité dans le village autour du 21 décembre, elle a eu lieu ou pas? Non, non. Elle est prévue? Courant novembre, ouais. Ah, d'accord. Oui. Ils t'ont pas dit ce qu'ils allaient faire exactement? Non, là, on a seulement évoqué ce qu'on a dit tout à l'heure, le nombre de gendarmes, etc., etc. Filtrer les accès, mais encore, c'est pas vraiment défini, quoi. D'accord. Bon. Sinon, les Bugarachois, il y en a pas qui souhaitent s'exiler ailleurs parce qu'ils en ont marre ou... Personne m'a rien dit. Pour la fin du mois ou... Bien au contraire, ils veulent être là. Ah, ils veulent être là. Eh bien oui, parce qu'ils veulent se préserver au moins leurs biens, parce que finalement, on ne sait pas quel déferlement peut nous tomber sur la tête. Hein. Car elle leur vaut la visite régulière de touristes un peu particuliers. Bugarache serait devenu un haut lieu de pèlerinage pour les angoissés de 2012. Après, c'est très médiatisé. Mais c'est face au pic, c'est vraiment que c'est grave. C'est la mairie, ça. De cette notoriété tombée du ciel. Quelque part, c'est un développement d'intérêt pour les gens qui vivent du tourisme. Sur notre village et notre micro-région, je suis ravi qu'on parle de ma commune. Et je souhaite que ça continue, mais modérément. Parce que tu vas te trouver déjà devant des gens de chinois, anglais, tout ça, et il faut que tu leur fasses voir que tu as dans le ventre du rien de dire qu'on me connaisse. Surtout que tu montres qu'on me connaisse, mais tellement ça te permet de te faire connaître en plus. C'est là qu'il faut sortir du ventre tout ce que tu sais faire. C'est le moment ou jamais, tu vois. Voilà. Les vidéos, c'est bien beau, mais il faut tomber sur la tienne. Tandis que là... Ouais. Et là, mais ces journalistes, ils te connaîtront de partout. Et parmi eux, peut-être, il y en a un qui te dira... Mon petit, on veut te voir quelque part. On t'embarque. Attends, moi, mon objectif premier, c'était de me faire opérer dans le monde. Ouais. Mais d'ailleurs, là, ça marche. Là, mais là, c'est l'occasion, là. C'est le moment où jamais, là. Hein. Après, s'ils ne le diffusent pas et qu'on n'a pas de vidéo, on ne peut pas savoir. Mais... Et il n'y aura pas d'autre fin du monde. Hein. Non, c'est la seule. C'est une chance inouïe qui ne passera jamais dans la vie. Inouïe et inespérée. Inespérée, qui ne passera jamais plus. Donc, il faut que tu montres à ces gens que tu déchires. Et voilà, que tu sortes. Et surtout que tu fasses un joli tour. Vous êtes bien chez Florence Etranet, mais aussi sur la ligne de Slide le magicien. Je ne sais pour quelle raison magique nous ne pouvons vous répondre, mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez laisser votre message après le signal. Je vous rappellerai si je réapparais. Merci pour votre appel. À bientôt. j'espère. Bon, mais ça commence mal. Ah. Oui, bonjour Slide. Je t'appelle parce que j'ai vu ton annonce de tour de magie. Alors voilà, je cherche un partenaire pour réaliser un tour tout à fait exceptionnel. Il faudrait que tu viennes me voir, si ça t'intéresse, et ça va t'intéresser. Il faudrait que tu viennes alors à la maison, petite maison de pierre, sur la route Baldure. Allez. À bientôt. Alors, eh bien alors je te présente Tara, hein, la chef qui danse. En dessous il y a la Vierge Marie. Et à droite, Marie-Madeleine, Dora de Soto. D'accord. Il y a 3 pommes qui sont les offrandes à Tara. D'accord, ok, mais ça fait du monde, hein. Et ouais, on n'irait pas. Ouais, ouais. Il y a du monde, hein. Encore, tout le monde n'est pas là. Mais ouais. Voilà, alors je vais me donner ma cigarette maintenant, quand même. Je vais surveiller dans le poulet. Merci. Et t'as pas de copine? Non. Non? Oh là là. C'est bon. Alors pourtant, les jeunes filles sympas là-bas, on est bien. Ouais, mais je leur plais pas ou... Enfin... Ah, t'as des problèmes un peu avec? Ouais. Ouais. Ah, je connais ça. Et donc là, l'illusionnisme rejoint la magie. Oui. Et si tu parles de magie noire, c'est donc l'utilisation de ces pouvoirs que tout le monde a dans un but négatif. Est-ce que si tu voyais par exemple là, mettons, il y a une apparition d'un démon, est-ce que tu crois que tu aurais peur? Là oui, ouais. Comme maintenant. Et si c'était un ange? Si ça aurait été un ange, pas vraiment. J'aurais pas. Enfin, je serais un petit peu surpris de le voir, mais sinon j'aurais pas peur. Et comment tu peux faire la différence entre l'ange et le démon? Non, non, je suis pas armé. Hein. Je suis pas armé. Comme des bûcherons, des gens avec qui je discute, ils disent non, non, nous on voit jamais rien, mais après 3 bouteilles de pinard, ah oui, chérie, tu te rappelles la petite lumière verte personne, parce qu'on a tellement ridiculisé les gens qu'ils n'osent plus l'ouvrir. Et ça, c'est dommage. Donc moi, j'ai décidé de l'ouvrir parce que j'en ai marre de cette hypocrisie. Et puis on parle des Mayas, ça arrange tout le monde, mais ils ne sont jamais venus à Bulgarache. Selon vous, cette histoire d'armée, etc., d'activité militaire, ça n'a rien à voir avec les Mayas? Moi, je me dis que non, ça n'a rien à voir avec les Mayas, ça a à voir avec ce qu'il y a dans la montagne. Qu'est-ce qu'il y a dans la montagne? Bah, on aimerait le savoir. Non, mais il y a un truc, il y a un phénomène ici, c'est que les objets disparaissent et apparaissent par rapport à la montagne. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de pierres qui volent en éclats, il n'y a pas de bruit. Et par contre, il y a des bruits bizarres. Il y a une dématérialisation de l'objet. Ouais. En fait, ça, je montre les trucs qu'on voit ici. Ces machins-là, c'est pas un insecte, c'est pas quelqu'un qui a acheté un frisbee. C'est passé déjà sur TF1, France 2, mais eux, ils vont traiter ça à la rigolade. Canal+, ils vont le traiter à la rigolade. Ils vont dire que j'ai trop bu, mais c'est pas un pixel mort dans ma caméra. Hein. Mais je peux filer le fichu, moi je les donne. Et la chose, juste après, elle se balade. Alors, nous, on n'est plus sur des théories de physique quantique, on n'est pas sur des théories d'extraterrestres, parce que les gens, dès qu'on leur montre des trucs... Moi, je suis dur, hein. Il y en a qui m'ont menacé au téléphone, parce qu'ils trouvaient inadmissible qu'on ait fermé le pic, parce qu'eux, ils y croient à la fin du monde, et ils voulaient y monter, le 21. Mais je pense qu'il y en a qui monteront quand même. Ouais, je sais. Non, des menaces de mort, oui, oh, mais là... Tu sais, les menaces anonymes, moi, ça m'intéresse pas. Bah ouais. J'en tiens pas compte parce que le type qui se dévoile pas... non, je préfère les menaces de mort signées, c'est plus sympa. Voilà, ouais. C'est quoi? Quand il y en a qui disent que le sujet de la fin du monde est un ennui mortel, c'est pas vrai. Et non, c'est tout à fait le contraire. C'est le contraire. On se marre bien quand même. Ah, on s'ennuie pas. Non, non, on s'ennuie pas. Ceci dit, effectivement, tu peux tomber sur un malade, comme on en voit malheureusement quotidiennement dans les rubriques journalières des... Ben oui. et des types qui peuvent t'agresser et être très dangereux. Hein. Ah bah oui. C'est d'ailleurs pourquoi je suis très satisfait que le préfet ait pris le fait en main. Il n'y a pas de menace particulière, assure une source policière. Les SDIG, les services départementaux héritiers des RGA qui sont confiés ces missions de surveillance des sectes, n'ont pas remarqué d'agitation, de déplacements inhabituels ou d'arrivées en masse d'adeptes dans des communautés. Même constat pour les brigades de gendarmerie. La limite de ce constat, c'est que les mouvements sectaires n'ont pas besoin d'une date de fin du monde annoncée pour organiser leur propre apocalypse. L'ordre du Temple solaire n'a pas eu recours à un calendrier maya ou égyptien pour mener ses adeptes à la mort, notamment à Saint-Pierre-de-Chérenne dans le Vercors en 95. L'inquiétude, en réalité, c'est Bugarache. Ange Jabamia, ange producteur de toutes choses, fais de moi le respectable conscient de ton verbe, de ta vibration, de tes énergies. Permets que les circonstances me soient propices, favorables à la réalisation de mes projets, de mes souhaits, et place devant moi les personnes qui conviennent pour faire fructifier, pour faire réussir ce que grâce à toi je veux entreprendre. Amen. Ici, de toute façon, si j'étais guidé jusqu'à la montagne, c'est que je dois être là. Voilà. Peut-être pour trouver des solutions. Voilà. Et que je suis là pour passer les gens de ce monde à l'autre monde. Je peux même ressusciter les morts. En haut, sur la montagne de Bugarache, il y aurait une fenêtre temporelle, enfin, spatio-temporelle. Et il y aurait apparemment un rapport avec l'alignement du soleil, avec cette fenêtre. J'ai eu le témoignage d'une dame qui m'aurait dit qu'elle aurait vu 8 secousses volantes atterrir juste à côté du pic de Bugarach. C'est très étrange. Je suis une femme sacrée. Charlotte est une femme sacrée. Je suis une femme sacrée. Charlotte est une femme sacrée. On pourrait mourir, hein, c'est sûr. Hein. Voilà. C'est que moi, je cherche la vie éternelle, pas la mort. C'est un truc qui traîne dans le village, mais c'est en anglais aussi. Et ça dit, nous sommes l'élite, ouais. On va vous prendre la place, Bugarache est à nous. Tu vois le délire, toi? Obéissez ou vous en payerez les conséquences. Ouais, ouais, qui viennent. T'as une idée, toi, de qui c'est qu'aurait pu faire un truc, une lettre comme celle-là? T'as pas entendu parler des gens ou t'as pas eu de... À part des dérangés mentaux. Des gens un peu fous, tu crois? Complètement fous. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça. Bon, c'est trop délire quand même. She's out. Bah écoute, je sais pas, non. Non, en général, quand on tue quelqu'un, on le tue, on ne le menace pas. Ah non, c'était un coup de téléphone reçu à l'agence le 3, le premier c'était le 3 décembre. C'est Chantal qui l'a reçu, et elle en a reçu un autre le 5. Et toujours, on dit avec la même phrase, on va tuer Bruno Coins, etc. avec un bruit de fond de machinerie, je sais pas quoi, genre soucoupe volante, enfin un truc allumé, quoi. Ah non, ça va, je prends pas de l'Exomil pour dormir, hein. Tout va très bien. J'ai dit, mais écoute, je serai... Quelqu'un me le dira, mais pour l'instant, je sais rien. Hein. Mais ça arrive à quoi? Après, je ne comprends pas. Et de quoi? Et pour que... Parce que pour laisser les gens... Comment dirais-je d'après lui, il y a des gens qui ont été menacés parce que... on veut personne, etc. Ah. Mais j'en sais rien, lui. On lui a dit ça, et j'ai dit, moi, première nouvelle. Hein. Bon, tu vois, c'est un peu la prochaine tête, ça. Je l'ai entendu ce matin. Ah, et tout. Joyeux anniversaire, Vercors. Il n'y a pas de bougie à souffler sur le paquet? Non, non, il y a des nœuds. J'aime pas les nœuds. D'abord, tu dois deviner ce que c'est. Ouais, d'abord. Un carton. Tiens, tiens. Yeah. C'est quoi? C'est dans ma sortie. Et ça quoi? Maki. Et tu te transformes pour assommer. Maki maman. Parce que j'ai pas envie que tu tues tous les gens du quartier, ni les vaches, ni rien. Non, c'est pour décorer ta chambre. Général de peur semble envahir ce village tranquille des Corbières. Les Bugarachois se sentent impuissants et ils ont besoin de réponses de la part des autorités. Malgré l'aspect de tranquillité prétendue, ils ont peur d'une invasion et ils menacent de créer des unités spéciales de protection. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre, des signes et des avertissements. Parce qu'il faut que tu décides. Parce qu'après, moi, je ne serai plus là. Ah bon? Non, j'ai décidé de partir. J'ai fait mon temps, ça suffit largement. Et voilà, alors après moi, tout ça, ça sera perdu. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je comprends bien, oui. Des fois, faut... Tu crois à la vie après la mort? Ça dépend. Faut le voir pour le croire, quoi. Faut le vivre. Faut mourir pour savoir si on sera vivant. Oui. Une fois qu'on est mort. C'est vrai. C'est justement le principe de base de l'initiation. Mourir à ce monde pour en être dans un monde nouveau. Et pourquoi tu veux être célèbre alors? Oui, parce que des fois à l'école, j'ai des amis, ils sont jaloux parce que eux ils peuvent pas et moi je peux, du coup. Qu'est-ce que tu donnerais en échange? Ça dépend. Je sais pas. Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Tu vas donner à Staroth en échange. Ben, le remercier déjà, ce serait génial. Oui, comment? Oui. Ben, je sais pas, par tes rituels, mais il faut le connaître, non? Et comment tu peux reconnaître les rituels? Vas-y, continue. Je sais pas, c'est comme des prières, non? Et ça te gêne pas de faire un pacte avec un esprit particulier? Ça dépend, faut... Comment faut faire et tout. Faut un peu de ça, hein. Bugarache, tous les secrets du vortex. Il y a des gens qui prétendent que c'est miraculeux de monter au pic parce que quand ils montent, ils sont d'une certaine façon et quand ils redescendent, ils sont ressourcés. Ici, il y a une femme qui est venue spécifiquement habiter ici parce que quand elle était montée la première fois au pic, elle était stérile et quand elle est redescendue, elle a eu des enfants. Cette montagne, on l'appelle la montagne inversée. À la naissance des Pyrénées, quand les Pyrénées sont montées, toutes les couches se sont tournées. Ensuite, sous ce pic, il y aurait effectivement une masse terreuse importante qui fait que quand on place la boussole, elle ne vous indique pas... Une super grande cage. Prêt pour mon père. Je vais acheter des DVD des années 30, enfin des trucs comme ça. Plein de maisons, des appartements, des trucs comme ça. Après, quand il va y avoir le 21 décembre, ils vont dire... Ah mais finalement il n'y a pas de fin du monde et tout, donc ils vont se tuer. Enfin moi franchement je vais rigoler. Parce qu'il y aura vraiment rien de rien. L'hélicoptère vient nous visiter. On dit régulièrement toutes les semaines. Ah oui. Il vient nous visiter pour voir ce qui se passe sur le pic et dans le village. Ah ouais. Et donc je l'ai appris comme ça parce que moi je suis même pas au courant. Il ne faudrait pas que les autres s'en emparent pour dire ils sont surveillés parce qu'ils vont arriver. Le fait que tu sois... Mais bien entendu, c'est pas par hasard quand même. Oui, je vous signale, je vous l'ai peut-être dit la dernière fois, les gendarmes sont venus reconnaître toutes les possibilités d'accès au pic. Ah non, ça t'avais pas dit. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Parce que je vous signale que ce que je crains le plus... Vous avez peut-être vu l'actualité de la semaine dernière. Il y a un garçon qui avait invité sur Facebook des copains à lui pour un anniversaire. Et ils se sont retrouvés à 40 000, là, avec des menaces, etc. Hein. Avant ta cousine elle fait comme ça. Mais calme déjà. Ça on baigne. Bah oui. Tiens, la flèche est tombée comme ça. Et tu tires. Non mais comme ça c'est mieux. Non. Mais non. Tu fais bouger la flèche là. Regarde, t'es con quoi. Comme ça. Oui mais là j'ai niqué. Mais non, parce que tu lèves le doigt une fois qu'elle est bandée. Il faut qu'elle est bandée du stable. Avec tous les arbres, j'ai toujours tiré comme ça. Hein. Ouais, bah c'est pas du tout précis. C'est pas grave, se faire. De toute façon, ça va à 3 mètres, c'est bon. Au pire, il doit déjà te payer des flèches. Ah. Je peux pas le tenir, c'est pas grave. Elle est où, Mirko? Tu l'as perdu, Mirko. Ouais. C'est plus des précautions. Je me fais trop confiance avec une flèche. Ouais, ça c'est sûr hein. À partir de demain, tous les accès de Bugarache seront fermés à cause de la peur de ce qui se pourrait passer le 21 décembre. Seulement les journalistes et les résidents qui disposent d'un permis spécial vont passer les contrôles stricts de la police qui ont été mis en place sur les chemins d'accès. Plus de 200 policiers seront sur place pour exécuter cet ordre du préfet. Ils assistent au séisme le plus violent jamais enregistré au Japon. Magnitude de 8,9. En bref, en Algérie, image de violents affrontements ce matin qui ont fait des dizaines de blessés. Ils ont éclaté dans des baraquements illégaux de ce quartier populaire d'Alger, promis à la démolition. Les bulles d'eau. Encore d'un cran, sommes-nous à un tournant du conflit? Aujourd'hui, pour la première fois, des chars ont pris position en plein cœur de la ville de Damas. Les combats sont violents entre l'armée régulière et l'armée syrienne libre du Guet. La guerre dans les rues. La légende raconte qu'avant le temps des pères, il y a eu le temps des mères. C'est une époque qui s'est enfouie dans nos mémoires. Sur cette époque, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de monument. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a que nos rêves, nos fantaisies. Igloué qui raconte sa vie de petit enfant dans les cités des femmes, régnait la justice, l'équité, la noblesse, le raffinement. C'est ainsi que les hommes vivaient. C'est ainsi que nous vivions à l'époque. Cette mémoire dorée et l'époque que nous vivons maintenant, il y a un voile d'oubli. On nous a fait croire que nous étions des fils de singes. Et notre mémoire est plus profonde. Elle est océanique. Elle est poétique. Elle est artistique. Cosmique. Bon, mais je crois que ça va aller maintenant. J'ai couché. C'est la fin de la journée. Eh oui. Bah, t'es content alors? C'est rigolo. Chez soi, bientôt, c'est la fête de Paris. Un peu, ça va. Eh, mais il ne faut pas faire toute cette publicité aussi. Eh, mais écoutez, faites-vous payer au moins, vous. Vous en avez besoin d'argent. Faites-vous payer. Ah, merci. C'est encore y payer. Eh oui. Il vous voit quand même. Je vais filmer, je vous en prie. Je vous dis ce que je veux, mais payez-moi. S'il vous plaît. Oui, très bien. J'ai ma douleur. Ça y est, la paix. Alors maintenant, je veux un bifteck, s'il vous plaît. À cause des contrôles de la police, il y a de nombreux embouteillages de voitures et des camping-cars s'entassent entre le village. Plusieurs personnes qui cherchaient un chemin à travers de la montagne ont été arrêtées. Pour mieux, il y avait certains avec des permis falsifiés. Il paraît même que certains des illuminés ont accédé à la région avec des permis qui leur ont été donnés par les gens du village. Au centre de l'image, donc à la caméra, toujours Jean-Michel Pousse. Donc je vous avais promis depuis le 16 décembre que l'on viendrait tous les jours filmer un petit peu ce qui se passe. Alors il y a une voiture. On va attendre de l'identifier parce que je ne vois pas à qui elle appartient. Est-ce qu'elle est civile ou est-ce qu'elle est, gendarme? On va les laisser passer parce que si en plus je suis dans le champ au moment où... non, c'est une BMW. C'est des gens qui vont... non, ça va, c'est bon. Ça se passe. Apparemment, c'est des Péruviens. Vous avez vu comme moi qu'ils portaient des bonbonnets péruviens. Donc, c'est sur l'autre l'ambassade péruvienne qui vient voir ce qui se passe. On a un hélicoptère, mais je... Je ne suis pas sûr que ce soit l'hélicoptère de la gendarmerie. À messieurs, les membres des forces spéciales françaises, de la part de Jean-Michel Pousse, bonjour et merci à vous pour ces 4 ou 5 jours de surveillance de la montagne. Et passez d'excellentes fêtes de fin d'année, messieurs. So there's been reports that there's some police in plain clothes dressing up as some of the hippies, you know, the guys that live in the tents. What, infiltrations? Wait. No. So there's nothing like that here? No. Set on? Sure. On se voit moi-même. Je ressens quoi? Je suis oppressé par la présence de gens qui sont autour de moi et qui veulent absolument que je leur dise ce qu'ils ont envie d'écouter. Mais ça vous fait aussi du plaisir d'avoir tellement de télévision ici. Non, du tout. Mais non, c'est pas intéressant. Vous êtes connu maintenant au Japon, Mexique, l'Allemagne, alors ça vous plaît pas? C'est quelque chose de très éphémère. C'est très éphémère. Dans une semaine, ça n'existera plus, ça. Mais vous en profitez pour une semaine déjà. Pourquoi? Quel profit? Je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Hein. Mais il y a quand même quelques gens qui laissent de l'argent ici, qui achètent des choses. Peut-être les immobiliers montent. Vous avez déjà vu des ovnis? J'ai vu des choses brillantes dans le ciel, oui. Déjà? Des étoiles. Monsieur le maire, juste deux gens au cas où... C'est fini. C'est fini. Vous ne pouvez pas accéder à ce verre. Filor, monsieur le maire. quel moment vous allez pouvoir relâcher les fonds? À quel moment est prévu bien cette fausse information de fin de communiqué? Parce que je finirai par vous balancer dans l'air. Jésus n'est pas monté au ciel. Le corps de Jésus a été escamoté, il a été sorti du tombeau, donc, et il a été mis sous le temple de Salomon. Au sein du temple, il y a des documents qui indiquent qu'en cas de grand malheur pour la nation hébreu, il existe un seul endroit en Méditerranée où l'on peut préserver et cacher les grands objets du temple. Cet endroit, c'est le Bugarache. À partir du moment où les forces négatives, les gens qui nous gouvernent, savent que la plus grande des reliques de la chrétienté peut ressortir, mais animée, douée de paroles, de réflexion, il faut à tout prix empêcher que quoi que ce soit sorte de la montagne. À la veille d'une éventuelle révélation, ils avaient deux solutions. Salir la montagne en créant une légende urbaine, c'est ce qui s'est passé, ou alors ils avaient la solution de créer un événement qui engendrerait des mouvements de foule et qui engendrerait peut-être des événements dramatiques et définitifs, c'est-à-dire des suicides collectifs. Et après, il ne reste plus qu'à encercler la montagne et la salir. Ces gens-là veulent à tout prix pénétrer dans le Bugarache pour s'emparer et détruire tout ce qu'il y a. Excusez-moi, vous venez d'où, monsieur? Je suis ici. Vous êtes d'ici? Oui. Non, moi aussi, je ne vous connais pas. Vous appelez comment? Je m'appelle Jean-Michel Pousse. Jean-Michel Pousse. Je n'ai jamais entendu. Vous avez des parents ici, des aïeux, des... Dans les Corbières, oui. Ah, dans les Corbières, mais pas ici. Non, pas ici. Mais c'est pas d'ici. Racontez un peu n'importe quoi. Étudiez l'histoire de votre région, madame. Ouais, je la connais, l'histoire de votre région. Vous avez entendu parler du conte bulgare de Bulgarane? Du conte bulgare de Bulgarane? Eh oui, madame, mais le comte bulgare de Bulgarane, c'était le comte de Bulgarache, c'était le comte Visigot de Bulgarache. Il a été persécuté par le roi Visigot d'Espagne, et puis après il a été rétabli en ses fonctions par le nouveau roi qu'il a remplacé. Vous le saviez, ça? Non. Bon. Alors, madame, quand on parle de connaître son histoire, on commence par l'étudier. Après, on vient parler. Excusez-moi. Enfin, c'est impressionnant quand même l'appétence des gens pour l'irrationnel. C'est les seules choses qui les font rêver, voyons. Ben ouais, qu'est-ce qui arrive, à faire, pour une partie des gens, qu'est-ce qui les fait rêver finalement? Il faut qu'ils aient... Puis il y en a qui ont besoin d'avoir peur dans leur existence. Oui, pareil. Enfin, la fin du monde, moi, ça me fait pas rêver. En fait. Moi non plus, hein. Ça m'a jamais fait rêver. Non. Oui. C'est les médias qui l'ont auto-alimenté. Je veux dire, toi, tu as appris que sur Internet, un site Internet bizarroïde disait que Bugarache serait épargné par la fin du monde, etc. Tu m'en parles, moi je trouve ça rigolo, je fais un papier, point barre, quoi. Eh ben non, c'est repris. Pourquoi? C'est gros mystère, c'est repris par tout le monde. C'était une blague, cette histoire de... Quand tu m'as téléphoné, quand tu m'as dit... Oui, mais t'as trouvé le moyen d'en faire la première page de l'Indépendant, mon gars. Ben oui, non, mais parce que c'était marrant. C'était rigolo, c'était une blague. C'était une blague. Enfin, c'était un truc... Bon, voilà, quoi, c'est une plaisanterie. Donc ça vient d'une bonne blague de monsieur le maire. C'est plus compliqué que ça, parce que je pense que s'il suffisait qu'un maire d'une commune de 200 habitants fasse une blague pour qu'elle soit reprise par tous les médias internationaux, davantage de maires feraient leur publicité. Mais voilà, il y a une espèce d'alchimie qui s'est faite autour de cette déclaration de monsieur le maire. Est-ce que monsieur le maire ne regrette pas d'avoir tenu ses propos éventuellement? Est-ce qu'il peut s'exprimer parce que tout le monde est là? Est-ce que vous regrettez pas aujourd'hui d'être intervenu, d'avoir dit, ben voilà... Mais j'espère que ça ne sera pas toujours les mêmes par rapport à cette histoire de fin du monde, parce que la fin du monde, pour moi, c'est vous qui l'avez créée, c'est pas moi, hein, ok? C'est vous qui en avez parlé, monsieur, le conseil municipal. Non. Et vous pensez pas... C'est vous qui avez repris tout ça et qui en avez fait le buzz tel qu'il est. Hein. On a repris quelque chose que vous avez avant. regardez bien. Si je place cette planète sous mon foulard, instantanément, elle disparaît. Ouais. Mais j'ai le pouvoir de faire apparaître encore. Ici ce soir à Bugarache, il n'y a pas pour l'instant de fin du monde, il y a plutôt la fin d'un événement et qui nous passer à la centaine parce qu'il y a eu la pluie aujourd'hui sur Bugarache, ce qui a rendu beaucoup plus dangereux les sentiers et les cavités autour du pic. C'est d'ailleurs dans une de ces cavités que les gendarmes ont interpellé un jeune en rupture familiale. Il aurait projeté de se jeter du pic de Bugarache et ce n'est pas le seul à avoir été interpellé. Écoutez le préfet. La voorspelling is toch zeker voor de helft uitgekomen. Bugarache is gespaard gebleven. Nou, hoe je het ook bent of keert, er zijn ook anderen die zeggen, ja, die interpretatie van het einde van de wereld, die is te letterlijk genomen. Het ging niet om de fysieke destructie van de aarde, vernietiging van de aarde. Het was meer een spirituele transformatie. Très bien, merci. Bon, Evie, ça va? Ça va? Voilà, on vous l'a dit. Oui. Ah. Ah. Alors, je peux vous raconter. On pensait qu'au moins tu serais avec nous et que tu aurais gueulé parce qu'on aurait réussi à trouver l'entrée et à rentrer dedans. En fait, tu es à côté, tous à côté, tu es tout autour, mais pour nous, en tant qu'être humain, eh bien, on te sent, mais on ne te voit pas, on ne t'entend pas. Donc, devant ta maison, devant ta vraie et sale maison, eh bien, te dire que on restera debout. Et on continuera à croire en toi jusqu'au bout. Et même s'il ne se passe rien en 2013, rien en 2014, et même s'il ne s'est toujours rien passé en 2050, eh bien, on sera toujours là et l'on mourra en étant persuadé que c'est ici que ça se passe et que c'est ici que ça sortira. Voilà. Bon, ben écoute, je t'embrasse. Tu n'as pas besoin de la caméra, tu n'as pas besoin du son, tu n'as besoin de rien, mais je t'embrasse quand même et puis je te salue. Je regarde vers ta maison, vers la montagne. Et toi, je sais que tu es tout autour, à côté, au-dessus, à droite, à gauche, derrière, devant. Salut à toi. Et sans te forcer, ben, reviens vite parce que on a la foi, mais ça nous aiderait bien et ça conforterait notre foi si tu pouvais revenir assez rapidement. Ciao, on est là et on restera là. Salut.